Anya, vous êtes là? Oui, Marcus. Dites à Dom que j'ai peut-être des infos sur sa femme et ses... Vous avez trouvé quoi? Des infos sur une femme inconnue. Mais je ne crois pas que... Je vous en parlerai plus tard, Dom. Je dois retourner au contrôle. Ok, Anya. Bonne chance. Eh merde! Je vais tous les buter, ces fumiers. On y va! Ty, content de te voir. Il se passe quoi ici? Les locustes attaquent, bien. Les locustes ont quand même des couilles pour se pointer ici. Ça n'a rien à voir avec le courage, je crois. Elles ne savent pas qu'on les a envoyées au casse-pipe, c'est tout. Ou bien c'est par désespoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que la bombe lumière leur a fait plus de mal que prévu. Ou alors, il se passe un truc dans les entrailles. J'en sais rien. Faites gaffe, Delta. Certains de ces malades ont le Rustlung. Bon, prenez position à ces fenêtres. Je m'occupe de l'extrémité. Ok, Delta, je suis de retour en ligne. Je vous confirme la présence de locustes dans l'hôpital. Je répète, les locustes sont dans l'hôpital. Ah, au fait, on n'a plus de jus ici non plus. Je m'en occupe. Je vous tiens informé. Terminé. Attendez qu'ils soient juste en dessous de nous pour ouvrir le feu. Il faut qu'on en descende un max dans la cour. Ces stocks sont surtout des citernes de descente, Delta. Il faut les utiliser. Et voilà! Préparez-vous! Feu sur les citernes! Flinguez-les! Ouais, prenez ça dans la gueule! Contrôle! Où est le courant? Ça y est presque, Delta. Là, les portes devraient s'ouvrir maintenant. Merci, contrôle. Terminé. T'as dit qu'ils avaient quoi? Le Rustlung, la maladie de l'immunition. Mais des cas se sont déclarés un peu partout. Depuis l'explosion de la bombe lumière. Et ça n'est pas joli à voir. C'est contagieux? À ce qu'il paraît, non. Mais moi, je me méfie. Ouais, t'as bien raison. Oh!
Les locustes sont à l'extérieur de l'hôpital et prennent position dans les rues. Demandons de l'aide. Reçu, contrôle, on s'en charge. Ici Centaure 2-3, prenons position à l'extérieur de l'hôpital. Planquez-vous! Yeah.
merde, encore une coupure. Jack, ouvre-nous la porte. Tu fous là, le bleu. Ça commençait à barder là-bas, sergent. Des guires m'ont pris avec eux pour combattre. Pourquoi t'es pas là-bas en train de te battre? Ah, j'arrive pas encore à recharger, monsieur. Tu ferais bien d'apprendre vite. Delta, on dégage. Mettez-vous à couvert. On se planque avant de descendre là-dessous. Camion.
allez comme ça? Ça sert à rien de vous tirer! Je veux vous plomber le derche, moi! T'es salement tendu. Normal. Ma famille me manque. Je les buterai jusqu'au dernier, ces fumiers. Beau boulot, Delta. Et le bleu, Carmine, bien joué. Oh, merci, sergent Phoenix. Contrôle, ici Delta. L'ennemi est neutralisé. Terminé. Compris, Delta. Et de votre côté, tout est OK? Ouais, c'était juste. Mais je suis sorti à temps. Quoi de neuf? Je... Craché, pas de conneries avec moi. Cette femme dont je vous ai parlé, elle correspond à la description, mais... Apparemment, elle est sortie il y a quelques jours. Et depuis, plus de nouvelles. C'est pas possible. Il y a forcément une autre piste, non? Désolé, Dom. C'est vraiment... tout ce que j'ai... Oh non, pas encore! Je l'ai encore perdu! Bordel! Bien compris, Anya. Terminé. Dom, tu tiens le choc. Juste que... Je vous rejoins dans une seconde, Marcus. Ok? Ouais. Prends ton temps. Allez, on y va. Pas encore. Cette guerre est aussi la faute des hommes. Après tout, on s'entretue depuis la nuit des temps. On ne connaît que la guerre. Autrefois, on se battait pour l'émulsion, pour notre pays, pour notre liberté. Mais tout a changé le jour de... Voilà 15 ans que nous luttons pour notre survie face à des monstres sanguinaires et inhumains. Mais ce combat, nous ne pouvons plus le continuer. L'humanité est condamnée. Sauf si nous arrêtons cette guerre. Mais pourquoi, Mendown? Pourquoi ne pas forer ici? Jacinto est le seul endroit où elles peuvent pas creuser, et Landown est parfait pour les frapper au cœur. On dit qu'il y a une chier de larve là-bas, sergent. Une sacrée chier, oui. On a cru que la bombe lumière avait décimé les locustes. Mais ils ont survécu. Et sont revenus plus forts que jamais. Ils possèdent maintenant une force capable d'engloutir des villes. Même Jacinto, notre dernière lueur d'espoir aux ses heures sombres, est en danger. Nous serons bientôt dos au mur. Il ne nous reste donc plus qu'une seule option. L'attaque. Ce que je vous demande aujourd'hui est difficile, mais absolument vital. Si nous voulons survivre, si nous voulons vivre assez longtemps pour voir les saisons passer, nos enfants grandir et la paix prospérer comme jamais auparavant, à présent, il est temps pour nous d'affronter les locustes. Nous irons chercher les larves là où elles vivent, là où elles se reproduisent, et nous les anéantirons.